Mathis Bellon, 8 ans, est un champion de moto prometteur. Le garçon, de La Réunion, est décédé jeudi après un terrible accident lors de la course au championnat de vitesse italien. Le jeune pilote français Mathis Bellon, 8 ans, est décédé jeudi à l'hôpital Montpellier après avoir été gravement blessé lors d'une collision lors de la course au championnat de speed italien, au circuit de Motorland Aragon le 23 juillet, a rapporté le Huffington Post. Cette jeune Réunion a été traitée dans un hôpital en Italie dans un état très grave avant d'être rapatriée avec un coma à Montpellier. Il est finalement décédé jeudi, signalant nos collègues de la Voix du Nord. Il était très fort, surtout il a tenu hier pour l'anniversaire de sa sœur de 3 ans. Elle était si belle et surtout importante, ses organes ont pu sauver 5 vies. Elle était une grande championne jusqu'à la fin, a déclaré son père Bati, Samuel Bellon, lors d'une réunion quotidienne. C'est une erreur des gens. C'est un petit désir de course. Nous vivons pour nos enfants mais nous ne pouvons pas tout décider, a-t-il ajouté. Le jeune pilote français Mathis Bellon, 8 ans, est décédé jeudi à l'hôpital Montpellier après avoir été gravement blessé lors d'une collision lors de la course au championnat de speed italien, au circuit de Motorland Aragon le 23 juillet, a rapporté le Huffington Post. Cette jeune Réunion a été traitée dans un hôpital en Italie dans un état très grave avant d'être rapatriée avec un coma à Montpellier. Il est finalement décédé jeudi. Il était très fort, surtout il a tenu hier pour l'anniversaire de sa sœur de 3 ans. Elle était si belle et surtout importante, ses organes ont pu sauver 5 vies. Elle était une grande championne jusqu'à la fin, a déclaré son père Bati, Samuel Bellon, lors d'une réunion quotidienne. C'est une erreur des gens. C'est un petit désir de course. Nous vivons pour nos enfants mais nous ne pouvons pas tout décider, a-t-il ajouté. Il pourrait être une légende. L'association multisports et de loisirs, Fréjus, a déterminé que Mathis Bellon est tombé avant d'être touché par deux motos. Le garçon était arrivé au métropolitain français, au printemps dernier pour satisfaire ce désir qui vous a dévoré une fois qu'il vous a amené dans ses filets, continuant AMSL. C'est une promesse de ce sport et peut-être devenu une légende. Selon le journal Quotidien, il est pilote le plus rapide, ce qui n'est pas fait par l'entraîneur.